Bon, il n'y a qu'à suivre le soleil. Oh, c'est quoi cette odeur? Eh ben, ça commence bien.
Dans le genre guide à la con, ces tarés sont vraiment à deux pas de chez nous. C'était le dernier.
Je rêve ça, Angel. C'est pas vrai. Oh, foutez-moi la paix, bordel. Donne-moi plus que quelques millions.
Désolé de ne pas avoir été là. Ton retour, ça devrait être un sacré bordel. Quelqu'un a dû balancer de la... à la Fedra notre petit business de ration. Je suis sûr que cette vipère de Jiao... Que c'est cette vipère de Jiao? J'ai réussi à planquer une partie de nos trucs, mais j'ai peur que nos associés prennent mal la disparition de leur cargaison. J'ai mis des réserves dans le coffre. Le code est 689689. Rejoins-moi à la deuxième planque. Il est temps de réfléchir à une porte de sortie. Fais-moi. Fais attention à toi. Je pense que je l'avais déjà découvert. Ça fait un bail que t'es là, toi. Roquetesse, puisses-tu donner aux anciens la chaleur qui nous mènera à la victoire contre les wolves? Pardonne mon empressement, mais le temps m'est compté. J'espère pouvoir atteindre la porte des martyrs pour te remettre ceci. Veille sur mon enfant, qu'il vive une longue vie et heureuse tant... des nôtres sont morts depuis que les wolves ont rompu la trêve. Fait que ma famille vive assez longtemps pour récolter le fruit de nos sacrifices. Le monde n'est pas en paix, mais j'ai fait ma part pour y remédier. Tu m'as porté dans la tempête. Aujourd'hui, je dois partir. Que le courant soit calme, puisses-tu me guider. Si on veut protéger sa famille, vaut mieux pas rejoindre une secte. Parfait. Ça peut servir. J'ai foutu
un beau bordel. Porte des martyrs. La trêve est morte, mais ça vous empêche pas de revenir ici sans arrêt. On vient pas de nettoyer toute cette merde. Je te demande de me donner plus de me porter. Je demande peut-être l'impossible, mais je dois essayer. Fais don au ouf de ta clairvoyance, de ta sagesse, de ton amour, afin qu'ils renoncent à leur quête d'égoïsme. Et dépose les armes. Puisses-tu apporter la paix dans ce monde? Tu veux la paix? Facile, reste sur ton île. Cam, merci pour ta lettre. J'ai hâte de te revoir. En attendant, je suis coincé ici à surveiller la prophétesse d'Escar. Je t'ai pas dit, mais pendant mon dernier service, je lui ai parlé. Je lui ai demandé pourquoi elle faisait ça, pourquoi elle disait pas à ses hommes de se rendre. Elle m'a d'abord sorti les conneries habituelles d'Escar, le retour dans la nature, la dépendance aux machines, mais après, elle m'a dit qu'elle voulait pas de cette guerre, que l'épidémie était un rappel à l'ordre et qu'on ne l'avait pas tous entendu d'un truc genre. Ça devenait intéressant, mais Lewis a débarqué et m'a fait chier parce que j'étais pas censé lui parler. Quand il lui a gueulé dessus, elle a juste souri, même quand on l'a transféré et que les gars l'ont insulté et bousculé, elle continuait à sourire calmement, trop bizarre. Tout le monde m'a dit qu'elle est dingue, mais enfin. Je comprends ce qu'elle veut dire. Les scars sont des tarés. Pas de doute là-dessus, mais elle a une sorte de pouvoir magnétique. Il paraît qu'on va l'amener dans un endroit plus sûr. Je te retrouve à la maison. Fais attention à toi, Sally. Isaac. Putain. T'as transformé une folle en martyr. Eh ben. C'est quoi ça? Donc là, très. Prophétesse, puisses-tu ouvrir à tes enfants, puisses-tu offrir à tes enfants force et prospérité afin qu'ils purgent ce monde de ses maux et puissent le rebâtir. T'en demandes trop, mon pote. Prophétesse, puisses-tu donner aux anciens la chaise de main?
M'accoupler avec Edmund, il est trop fort et habile, tendre et attentionné. J'aimerais porter ses enfants. Ouh, elle veut juste tirer son coup. Prophétesse, j'aimerais prendre part aux chasses. Puisses-tu m'offrir une nouvelle monture, puissante et agile, une nouvelle selle et une nouvelle bride? C'est pas le génie de la lampe. Prophétesse, je ne demande pas grand-chose, mes besoins sont simples, mes mains sont humbles. Ils sont peu habiles et je suis incapable d'aider notre village en réparant, forgeant et bâtissant. Je te demande de me donner ses capacités pour que je puisse être productif et respecté. Oh, enfin une demande réaliste. Prophétesse, je suis un bon soldat, j'ai déjà livré 2 wolves en ton nom. Je t'en enverrai de nombreux autres. Permets-moi de vivre assez longtemps pour voir ton salut se répandre dans le monde. J'ai l'accès à la porte des martyrs. Eli, viens avec moi. Prenez l'opéré. Puisse-t-elle nous protéger. Oui, j'ai passé un entretien. Des anciens ont expliqué que j'étais prêt. Et maintenant, je suis là. T'en penses quoi? C'est un honneur, mais... Le territoire des Wolves est plus triste que je ne l'imaginais. Comment faisaient les gens pour vivre ici? Par ces paroles, la prophétesse nous a sauvés. Elle nous a appris à mener une vie simple. Tous ces monuments à la gloire de leurs excès. Quel gâchis. Ils ont creusé leur propre tombe. Puisse sa lumière nous guider dans les ténèbres. Ici! Laisse-le partir! Oh, pas les pattes! Ça lâche! Je veux qu'on fouille partout. Trouver cette wolf. Hey.
Mais je la vois pas. Ah. You?
fini? Ok. Il y a forcément un moyen de passer. Thank you.
What's up? C'est quoi tout ça? Il fallait que j'atterrisse dans un camp de Scar. Kebelle, quand un enfant naît chez les Séraphites, il est une poêle blanche, un pur potentiel. Et ton potentiel a surpassé mes plus folles espérances. Pardonne-moi de ne pas être présent à ta cérémonie d'initiation. J'ai le souvenir de mon père apaisant le feu de mes joues avec des feuilles d'eucalyptus trempées dans de l'eau puits. Avec le temps, la douleur disparaît, mais les entailles seront toujours là pour te rappeler la sagesse de notre prophétesse. Nous sommes des êtres imparfaits, et ainsi nous nous rendons imparfaits à ses yeux. Puisse-t-elle te guider chaque jour dans la tempête, puisses-tu toujours trouver la véritable force. Je suis si fier de toi, ton père, Ezra. C'est mignon. Juste un peu tordu, quoi. Juste un peu. Explorer un peu. Impressionnant d'avoir un camp aussi proche de la porte des martyrs. Merde, cet endroit est plutôt continue à descendre. Mais ça conviendra. Du coup, on devrait pas partir à la recherche des fugitives, nous aussi. Émilie emmène un groupe en forêt à la tombée de la nuit. Elle est bien. Notre prophétesse sera seule juge de ces infidèles. Ouais, elles serviront d'exemple aux autres. Tu vois quelque chose? A priori, c'est bon. Hein? Mais... Fais pas de conneries. Doucement. Petite. Je t'en ai fait.
go. Bon, je suis ici. Rien ici. Eh oui, il y a quelque chose, il y a moi.
passe par l'oreille. Je pense qu'il n'y a plus personne. Faut juste que je descende dans la rue. Attrape-la! Ça pour ça. Owen! Owen! Salut. Salut. Est-ce que tout va bien? Ouais. Peut-être que je tombe mal? Non, pas du tout. Alors, quoi de neuf? Une mission en vue? Si on veut. Si on veut? Tu sais quoi? Ici, on évitait de parler d'Isaac pendant quelques instants. Oh ouais. C'est quand la dernière fois que t'es venu? Regarde-moi ça. Admire un peu. Qu'est-ce que t'as fait? Une seconde. Alice est ici? En balade avec Mel. Tout va bien pour vous? La vie de couple et tout? Ouais. Ouais, c'est pas mal, enfin. Elle est vraiment gentille. Ça doit être cool après moi. Bah, sous tes airs de dur à cuire, t'as un côté tendre aussi. T'as une mémoire de merde. Sélective, tu veux dire. Bon, bref. Qu'est-ce que t'as fait? Pas grand-chose. J'ai arraché quelques lianes, j'ai repeint deux, trois murs. C'est moi ou tu t'entraînes en secret au tir à l'arc? C'est peut-être toi. Right. Éternel partout. Ça a l'air compliqué. Touche pas à ça. Abigail. Tu fais des expériences? Pas loin. Je fais de l'agneau de luxe. Si t'es gentil, je t'en donnerai. Quelle chance! Je sais que bon. Oh, là. Ah, ça explique la cible. Ouais, Mel et moi, on se fait un petit concours. Mais je suis pas sûr que ça te plairait. C'est compliqué. Je vois ce que tu fais. Et ça marche. Je fais quoi? Ok. Tu vois les cibles? Ouais. Touche-en un maximum avant la fin du chrono. Si je gagne, t'ajoutes mon nom au tableau. Ça marche. Allez, salut. Ok. Et d'une. Ouais, je suis fier de toi. Et de deux. Et il t'en reste plein. Oh, pas mal. Putain de merde. Cinq. Ça fait la moitié, Abby.
Encore deux et tu me bats. Mais cool, hein. Je suis vraiment super fier. Et où, là? 30 secondes. Je sais pas où se caler, par exemple, ça. 5, 4, 3, 2, 1. J'ai réussi! Ha! Du premier coup. Qu'est-ce que t'en dis? Ouais, c'est génial. Elle est super forte. Arrête et mets-le sur le tableau. Je le ferai. Plus tard. T'as peur que Mel découvre que j'étais ici? Non, elle s'en fout. Alors mets mon nom sur le tableau, Owen. Ok, calme-toi. Bon, il y a une dernière chose que j'aimerais que tu vois. Viens, c'est en haut. Le cadavre du capitaine du bateau? Si c'est ça, je l'ai vu la dernière fois. Oh, tu lui as quand même pas mis un bonnet de Noël, si? Hein? Non. Mais j'avoue que ça serait marrant. Après toi. C'est quoi tout ça? C'est festif. Et t'as pas encore tout vu. Assieds-toi. Admire un peu cette vue. Goûte-moi ça. Alors ? La vue est chouette. Oh, t'exagères. Rabat-joie. Tu veux que je mente ? Ouais, je préférerais. Elle est à fond sur les trucs de Noël et... Ça fait un an, elle et moi. Alors... Je trouve ça trop mignon. C'est ça. Eh ben moi, je t'emmerde, ok? Non, c'est juste que j'aimerais bien que quelqu'un me masse pour m'en faire une. Tu le mérites pas. Quoi, la chaussette? Ou que quelqu'un m'aime? Qu'est-ce qui te met d'aussi bonne humeur? Qui, moi? Sèche l'entraînement ce soir. Abby, quand la lune se lève... J'ai trouvé le frère de Joël. Il est dans un camp, dans le Wyoming. Comment tu le sais? On a mis la main sur des lucioles qui faisaient partie de son groupe. Je croyais qu'il avait raccroché il y a une dizaine d'années. Ouais. Et donc, ces types ont eu de ces nouvelles récemment? C'est une piste. Il faut que j'en sache plus. Ok, mais tu sais bien que même si tu le retrouves, même s'il est là-bas, il saura peut-être pas où est Joël, d'accord? Tu l'as dit aux autres? Oui, tout le monde est partant. Mel l'est aussi. On part la semaine prochaine. Isaac voudra jamais laisser autant de monde quitter la base. Isaac est d'accord. Mon cul, ouais. Personne ne tient à la justice plus que lui. Il sait ce que Joël a fait. Hé. Hey. Je peux compter sur ton aide, pas vrai? Bien sûr.
S'ils pourront connaître. Yara. Où se trouve l'autre infidèle? Brisez-lui les ailes. Lève! Faites gaffe.
Beau de piquer le sac d'une dame. Bravo. Oui. Allez-y. Ça va? Je maîtrise la situation. Ok. Prenez tout ce qui peut servir. Ne touche pas à ça, c'est de l'ancien monde. Sérieux? Vous avez pas ce qu'il faut. C'est pas la fin du monde. Sans mauvais jeu de mots. Quel jeu de mots? C'est la première fois que je vois des Scars s'affronter. Qu'est-ce que vous avez fait? Ok, me dis rien. Franchement, ça m'égare.
Tu pourrais m'aider? Ignorant, brut. Eddie, j'espère que tu vas bien. La trêve est terminée. Ils nous ont demandé de rentrer pour recevoir des nouvelles affectations. J'ai envoyé deux groupes te chercher, mais sans succès. Si tu trouves un mot, viens nous retrouver. Morals Car Matt.
arrive bientôt sur la côte. Encore un peu. Aidez-moi. Restez derrière moi. Et maintenant, je suis quasiment sûre que c'est par là. Quasiment sûre? T'es pas obligé de nous suivre. Tu veux que je vous abandonne tous les deux ici? Et si... sortons d'ici, c'est tout. Je vous fais passer et vous ouvrez la porte, ok? On t'ouvrira. Allez. À ton tour. Attention. Ah!
va bien? C'est l'autre que je vais taper. Tout le monde a fini le jeu sur Twitch, je sais pas, bonne question. J'espère que oui. Accroche-toi bien à moi. Ok. Ouais, depuis n'en a beaucoup. Je suis lent, moi. Je finis pas mes jeux vite. Je sais. Concentre-toi sur ta respiration. Inspire, expire. Ben, je joue à trop de gens en même temps. Inspire, expire. Les autres. Alors? Non.
intense comme section. Ici. Allez, prends trois avant de se faire repérer. T'as même pas vérifié s'il n'y avait pas d'infecté. La porte. Aide-moi à enlever ça. Un mal de chien. Il faut juste le remettre en place. Ok. Tu sais comment t'y prendre? Là. C'est mieux? Découpe ça en bandes. Désolé, j'avais pas remarqué. Ok. Je vais bouger ton bras, ok? Vas-y. T'es prête? Comment tu t'appelles? Abby. Abby. Merci de m'avoir libérée. Faut rester là pour la nuit, quand même. Il y a beaucoup de passages dans le coin. Je sais qu'elle n'est pas en état, mais il faut que vous partiez avant demain. Ça va aller. C'est ça. No rest for the wicked. Non. Choix. Je pense pas que je peux entrer dans aucun des... Oh, let's go! Le son est-tu bon là, Adrian? C'est parti. What the fuck? Encore un autre? Ah, ouais. Je peux le monter plus haut, ouais, s'il faut. Je pense que j'ai assez que ça. Non, il m'en manque un.
J'espère qu'ils vont me donner un petit break. Excellent. Ceinture? Ah, pour avoir deux armes. Bon, on va aller par ici. C'est plate, j'aurais aimé ça avoir assez pour augmenter mon shotgun. En bleu. Je t'entends un à gauche. De pogner la tête, puis il y en a un qui te saute dessus. Je sais pas, j'ai. Peut-être le temps de se sauver. Oh, no.
Ben au moins je me fais plus poursuivre par des champignons. Faut y aller. De bière. En plein soleil. Putain. C'est bien d'avoir des flèches, mais j'ai pas d'arc. Will, je vais me coucher. Malgré la montée d'adrénaline suscitée par ce bordel, cette espèce de grippe me met KO. Ah, ben oui, hein. Laisse-moi dormir quelques heures que je puisse combattre cette saloperie. J'ai couché notre petite abeille. Je crois que toute cette violence la secoue pas mal. Elle m'a dit, maman, pourquoi toi et papa avez poussé les gens? Je lui ai dit que c'était la seule façon de monter à bord. Elle a fait oui de la tête, mais je suis pas sûr qu'elle comprenne bien. J'aurais peut-être dû dire autre chose, je sais pas. Enfin bref, si elle se réveille avant moi, tu n'as qu'à lui dire... N'a qu'à lui lire un de ses livres, ça la calme. J'espère que tu as pu tirer au clair cette histoire de ration. Je t'aime, Quinn. Bien vu. Bière mexicaine. Ouais. Mais je bois pas beaucoup de cœur. D'accord, non, je suis plus micro-brassé. Ça va? Donc, je buvais une Vagabond. C'est toi qui tue tous ces gens. La Darling. Ça, j'aime ça. Merci de nous avoir aidés avec le passager infecté. On a de la chance d'avoir quelqu'un comme vous à bord. Les gars de l'équipage sont nuls et je n'approuve pas que le capitaine garde des armes sous scellés. On ne peut pas continuer à ignorer que certains des passagers sont infectés. Les armes sont stockées sur le pont supérieur arrière. Le code est le 90-77-01. Votre arbalète est là-bas. Je vous fais confiance. On va aller chercher ça. Bon. Thank you.
perdu des flèches. Ce que je préfère. Yeah. Ça, ça peut être bon. Ah non, c'est comme ça. Instagram, oui, mais c'est très rare que je vais l'utiliser ou poster quelque chose. Je pourrais donner le lien. L'arme et le coffre était à l'arrière. L'arrière, c'est celui-là. Mon ID pour Instagram? Non, j'arrive dedans. Bonne question. Step for a life. Je vais l'écrire dans le chat. Peut-être je monte plus haut pour aller chercher le coffre. Oui.
Yes. Merci. Merci d'être passé. Oh boy. Bon, c'était quoi le con? Identify a concern destroyed. C'est d'aller tuer dans le dos. Merci. C'est comme en IG. Merci. Ouais, faudrait que je pose plus souvent. Merci d'être passé, à bientôt. Ah, j'ai oublié, j'ai mes flèches. Je vais peut-être juste les éviter aussi. Turn up. C'est le dernier. Je pense que je vais utiliser ça.
Yeah. Grimper là? Non. Alors, let's go. Toujours regarder derrière. Ok, c'est pas par là que je vais aller. Bon, je vais réessayer. Faut que j'essaie le niveau supérieur. Ah, ça a la peine de venir. Confectionner quelque chose? Non. Viens ici. Ça, c'est le plan au moins. Ça devient toujours un jeu linéaire au lieu d'un open world. Casse pas la tête où aller. Mort.
je pense que j'ai compris. Ce que je suis obligée de faire pour toi. Voilà. Ben, faites la vie, il y a des briques partout. Je te préviens, t'as pas intérêt à râler par la casse. Ok. Bon, ton sac est ici. C'est du sang, ça? C'est quelque chose d'intéressant ici. Verrouillé. Hey, Owen! Owen! Putain de merde. J'espère que vous n'avez pas peur des requins. Beer pong? Évidemment. Il est là. Putain, ça c'est vraiment cruel. Isaac, t'as chargé de me retrouver? Pas du tout. C'est quoi tout ça? Faut bien que je le démonte, si je veux le réparer. Je vois. T'en veux? Sans façon. C'est toi qui vois. Danny est mort. Je m'en doutais. Tu peux me dire ce qui s'est passé? On était en train de démanteler un camp. Juste quelques scars et... J'en ai frappé un à la tête. Fort. Alors il s'est écroulé. Son arme était à portée de main. Mais il n'a pas essayé de la prendre. Au lieu de ça, il me regarde. Et je vois qu'il est vieux. Et qu'il est fatigué. Il avait l'air... d'être prêt. J'ai
Tu as un paquet de Scar. Et... ce mec-là, putain. Je pouvais pas. Évidemment, Danny s'est mis à me gueuler dessus. Je lui ai dit que j'en avais marre. Qu'il avait qu'à le faire lui-même. Et là, il pointe son flingue sur moi. Alors je l'attrape, et... au début, je savais pas lequel de nous deux était touché. Tu t'es juste défendu. Arrête. Je vais arranger tout ça. Je parlerai à Isaac. Je suis fatigué, Abby. J'en ai ras-le-bol de défendre un putain de territoire dont j'ai plus rien à foutre. Je vais à Santa Barbara. Quoi, à cause d'une rumeur? C'est plus qu'une rumeur. Non, les Lucioles sont pas là-bas. C'est fini. C'est une piste. Faut que j'en sache plus. Et pour Mel? Elle est en sécurité ici. C'est ça. On en reparle demain quand t'auras des cuvées. Pas ça. Faire quoi? Me traite pas comme un cinglé. Je sais que tu penses comme moi. Si les Lucioles sont vraiment à Santa Barbara, je préfère me barrer dans la direction opposée. Quoi? Non, rien. Désolée d'être adulte. Tu devrais essayer. Ah oui, comment je fais ça, Abby? Je devrais chercher ceux qui ont tué ma famille? Les massacrer? Je pourrais les torturer jusqu'à ce qu'ils pissent. Abby. Non. N'importe.
C'est vraiment bon comme jeu. Ça valait la peine d'attendre. On n'a pas encore eux autres. Sors de là et vite. Mais qu'est-ce que je fous? Ce sont des putains de scars. C'est reparti. We'll see. Regarde bien partout. On a de la visite.
Qui sont encore là. On doit pas sûrement passer par ici. Désolée. Comment elle va? Je dois bouger ton bras. Est-ce que tu l'emmènes? Suis-moi. Qu'est-ce que tu fais? Il lui reste une solution. Pour la soigner. Baisse ton arc, tais-toi. Espèce ton arc. Tu fous, lui. Alice.
Lev, baisse ton arc. Tout va bien. Abby, qui sont ces gosses? Ils m'ont sauvé la vie. Tu pourras l'examiner. Pas bouger, Alice. Elle s'appelle Yara. Qu'est-ce qui a fait ça? Un marteau. C'était pas moi. Faut l'allonger. Tu sens quelque chose? Yara. Non. Je voulais le nettoyer et le remettre. L'os est en miettes. Elle a le syndrome des loges. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut amputer. Yara est un soldat, elle a besoin de son bras. Si on fait rien, il va se gangrener. Je veux juste que la douleur s'arrête. Pitié. Qu'est-ce qu'il te faut? Dans l'idéal, une scie, des sutures, un clamp, des antibiotiques. Mais on n'est pas dans une situation idéale. On a des couteaux, du feu. On coupe et on cautérise. L'infection la tuerait. Fais-moi une liste. J'irai à l'hôpital chercher ce qu'il faut. C'est un jour de route. Je m'en fous! C'est pas le problème, Abby. Elle pourra pas tenir aussi longtemps. Et si je t'y amenais en 2 heures? L'hôpital des Wolves, c'est ça? À l'ouest? Comment? On a des passerelles. construites pour éviter les zones inondées et... vous évitez, vous. Elle peut tenir 2 heures? Peut-être, oui. Alors fais une liste. Attends, t'es sérieuse? Les Scars utilisent ces passerelles. Ils n'envoient que des petites équipes. Des petites équipes, tu vois? C'est pas une blague. Lev. Puisse-t-elle te guider? Puisse-t-elle te protéger? Abby. Abby. Quoi? Attends. T'as piqué mes clés? Désolée. Je peux te parler. Vas-y. Pourquoi tu fais ça? Elle s'est pointée sans prévenir. Ok. Elle sait pas pour hier soir. On s'en fout d'hier soir. Toi, peut-être. Laquelle? Fais pas de conneries, ok? Compagnon. Tes amis sont des Wolves aussi. Ouais. On a de la chance que Mel ait été là. C'est un des meilleurs chirurgiens de Seattle. Mel. Et comment il s'appelle, lui? Owen. Comment on fait pour atteindre les grands immeubles? La passerelle est là-bas. Ce chemin-là conduit vers le centre-ville. Aux grands immeubles, comme tu dis. Capable de nous guider après ça? La route, elle part du bord des rapides. Conduis-nous là-bas et je prends mon... Ces passerelles permettent vraiment de franchir les rapides? Ouais. En quelques heures seulement. Non pas. Ok. Wolf, le voilà. C'est l'immeuble où on doit aller. Okay.
Je le vois. Les hommes en gris. Qu'est-ce qui se passera si on récupère pas le matériel? Ben... Drac, elle essaie de l'opérer avec ce qu'Owen a sous la main. Ce serait... Ce serait pas l'idéal. Je pense qu'elle va s'en sortir. Si on récupère le matos, ouais. Elle a de bonnes chances. Tu savais que nos chiens savaient jouer aux cartes aussi? J'ai 13 ans, pas 8. T'as la taille d'un gamin de 8 ans. Et les gens me trouvent vraiment pas du pression s'accumule dans le muscle, très sensible. Tissu. Genre de peau. Oh, l'équilibre. Oh, c'est pas sûr. Une minute. Hey. Hein? Cool. Merci beaucoup. Nice. Voir si on peut grimper là-haut. T'es déjà allé sur cette passerelle, pas vrai? Ouais. Tu crois qu'on va croiser beaucoup de Scar? Je sais, Rafit. J'en sais rien. Si on en croise, tu pourras gérer. Hier, j'ai géré. Ouais, mais ces types te pourchassaient. Ils nous pourchassent tous. Pas tard. En effet, je crois qu'un scar me saute dans la face. Sauvez-moi par pitié. Excusez. Voyez-moi à n'importe qui. Un wolf, un séraphite. Ou autre, je m'en fous. Je ferai tout ce que vous voudrez. Je me balaperai. Je descendrai des connards de la fédérale. J'en ai rien à foutre. Je veux pas crever ici. Je vous en prie. Aidez-moi. S'ils me trouvent, ils vont me tailler en pièces. J'imagine que c'était des champignons. Fais gaffe au bout de verre.
Oh non. Ça va, le vertige. Bon, on approche de ton immeuble. C'est vachement haut. Le courant a l'air vraiment fort, là. Va falloir qu'on fasse quelques détours. Ça fait combien de temps que vous vous êtes enfuis ? 2 jours. Et vous comptiez aller où ? Je sais pas. On voulait juste partir. Alors tu vas finir par me dire pourquoi ils en ont après vous ? Je te l'ai dit. Ils veulent la peau d'un gamin juste parce qu'il s'est rasé le crâne. J'avais pas le droit. C'est la règle. J'ai désobéi. Pourquoi tu l'as fait, alors ? Je sais pas. C'est ton petit côté punk. Punk ? J'ai l'impression que tu te fiches pas mal des règles. Ah, j'imagine, ouais. Chère voisine, nous, c'est Sam et James. On habite au 302. On n'avait pas... On savait pas qu'il y avait des gens ici. Pour pas avoir peur de nous, voici un petit quelque chose fraîchement sorti du four, Sam. Merci pour le pain de maïs. Ma mère m'a dit que de vous donner cette bouteille de vodka. J'espère qu'elle est bonne. Pourquoi vous n'êtes pas parti encore avec les autres? Moi, c'est Julia. Ma mère s'appelle Heidi. Julia. On t'a trouvé cette vodka, c'est génial. On est resté parce qu'on a entendu des trucs horribles sur les refuges. C'est la loi de la jungle. Les gens se volent et s'entretuent. On a préféré tenter notre chance ici. N'hésite pas à nous dire... Si vous avez besoin de quoi que ce soit, ta mère et toi, Sam. Merci encore. Je regarderai si je trouve de la farine pour du pain de maïs quand je sortirai. Ça a changé ma vie. C'est gentil de proposer d'aider ma mère. Ce ne sera pas de refus. Je vais sortir chercher des provisions, mais je reviens ce soir. Je n'aurai qu'à frapper Julia. Les Scars ont vu James cuisiner sur le toit et l'ont abattu. J'en ai tué 2, mais le 3e a filé. Je laisse notre porte ouverte et quelques réserves dans notre coffre. Le code, c'est notre numéro d'appartement, puis le vôtre. Prenez tout et sauvez-vous, Sam. Je ne veux pas abandonner ma mère. Je vais barricader notre porte et croiser les doigts. Les affaires sont toujours dans le coffre. Je ne sais pas tirer. S'il arrive, on lèvera simplement les mains, Julia. C'était 302. 301. Puis où leur cas? Merde, c'était quoi déjà? Trois cents.
104. Ah ouais. Bingo. Pas par en bas. Danseur, depuis longtemps? De mon arc? Depuis toujours. T'es plutôt doué. Tu devrais voir hier. Je me casse par là. Allez, bien que soit là. C'est par là qu'on doit passer. Tu vas bien? Ouais. T'as tué combien de séraphites? Pourquoi? Comme ça. Je sais pas. Beaucoup. Sick.
Jeter une note. C'est pas un wolf? On est des milliers, je te signale. Tu les connais tous, les Scars? Arrête de nous appeler les Scars. Oh, ouais. Non. Hein, Scars parce qu'ils ont des... Ils ont des... cicatrices. T'es sûr que c'est le bon chemin? Ouais. Cet immeuble va nous conduire à celui qui est juste à côté. Oh, c'est un bureau de dentiste. Bon, je vais aller où vers là-bas? C'était bizarre, les gens d'avant. De moi là. Putain. J'avais un cousin qui... Tant mieux pour lui.
Allez, viens. On va encore monter longtemps. Ça veut dire oui. Oui. Excusez, les anciens ont convenu d'une trêve avec les Wolves. Ils ne viendront pas sur notre île et n'attaqueront pas les Séraphites en transit sur le territoire externe. Pour présenter la paix, pour préserver la paix, nous devrons tous coopérer. Tous nos objectifs restent les mêmes. Il s'agit simplement d'un autre moyen de les attaquer. Lève jamais les yeux. Qu'est-ce que tu veux dire? Vous avez beau être nombreux et avoir plein d'armes, on trouve toujours le moyen de vous échapper. Tu devrais peut-être arrêter de dire on. Je te rappelle qu'ils essaient de te tuer. Tu vas bien? Ouais. Je vais t'aider. C'est bon. T'as entendu comment ils m'ont appelé? Ouais. Tu veux pas me poser de questions? Est-ce que tu veux que je te pose des questions? Non. Ok. Je vais monter. Oh.
C'est les Scars qui ont construit ça? Les Séraphites. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est plutôt cool. Ça veut dire quoi, cool? C'est... comme impressionnant. Génial, quoi. Waouh, c'est... plutôt joli. Protège-les. Je me demande si votre prophétesse savait ce qu'elle allait déclencher. Elle a sauvé des dizaines de personnes. Et personne ne peut expliquer comment elle a fait. Elle a explosé des camions et tué des soldats. La voilà ton explication. Est-ce que t'as lu ses écrits, au moins? Quelques-uns. Ça prendrait beaucoup de choses. C'est ça. Peace.